Et ça tout le monde, c'est Tazorik Pérassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1089 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1089. Donc c'est parfait, j'ai pu enregistrer toutes les vidéos de ce let's play. C'est plus ce que j'avais prévu, voilà, je pensais pas que je pouvais réussir à faire tout. Mais j'ai réussi à faire tout. Du coup, bah, souvenez-vous d'un épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte de Cocoline. Nous sommes à 13%, plus que 87%. Et souvenez-vous, on avait tout simplement terminé cette case dans laquelle, voilà, on l'avait juste terminé. On n'avait pas de récompense adéquate. En tout cas, on avait enlevé le cauchemar. Et vous avez vu que du coup, nous sommes à 1 sur 8, voilà, en termes de... Du compteur de l'œuf. Donc il nous en reste plus que 7. Donc il faudra éliminer 7 cauchemars tout simplement avec d'autres instruments de sirène. Et vous allez, d'ailleurs vous avez vu, on en a d'autres. On en a une là par exemple, on en a une là aussi. Donc voilà, on en a plein. Il faudra aussi faire cette case, mais du coup on fera avec un instrument de sirène. Alors, le problème c'est que... Bah attendez, mais non, en fait c'est même très stratégique, en fait c'est bien. Parce que du coup, en fait, vu qu'il y en a 4, c'est parfait. Genre par exemple, on va faire ça. On va utiliser ça pour enlever le cauchemar qui est là. On va utiliser ça pour enlever le... Oui, on va faire ça. En gros, on va faire cette case là aujourd'hui. Je vous explique après, une fois qu'on a fini cette... je vous expliquerai une fois qu'on a fini cette case, pardon. Donc, il y a une exploration requise à faire. Donc, on peut le faire avec Pepe Melo. Pepe Rapelo. Ramelo, voilà. Rapelo, pardon. Papelo, Papelo. Pepe le Ramelo à l'appareil. Tu as débloqué une récompense de victoire. Écoutez, Pepe le Ramelo à l'appareil. Tu as débloqué une récompense de victoire. C'est parfait. Et du coup, c'est évidemment une arme de niveau 2 avec Marine, c'est la fameuse cloche, avec son réceptacle de cœur, l'aliment esqui et l'habit de fée. Donc évidemment, on va tout récupérer. Et évidemment, c'est un choc encore. On doit éliminer le géant dans la grotte aquatique. Ah, dans un peu de l'eau peut-être. Pouvoir des sirènes, jauge de coup fatal pleine, donc c'est parfait. Et on peut voir qu'en face de nous, nous aurons du coup des âmes de glace. On aura Lana, Sia et Mandala. Donc écoutez, et avec nous on aura Zelda, Volga et des Captains d'Hyrule. Donc on y va. On y va, on y va. Donc réceptacle de cœur, l'habit de fée et l'aliment esquive. What the fuck. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, let's go. On a le truc des algues. Matter rare plus. On y va. On y va. Oulala, ça va être compliqué. Bon, après on va pouvoir obtenir l'arme de niveau 2. C'est bien. C'est bien, mais bon. Putain, ça veut dire qu'on va affronter avec rien qu'avec Marine comme ça. Un Mandala. J'espère qu'on va pouvoir lui faire des dégâts. Hein. Concrètement. Hein. Oh, on est dans la plaine d'Hyrule. Zelda, Link, Volga, des Captains d'Hyrule. Ok. Et en face de nous, nous aurons du coup Sia, Lana et des âmes. Et des âmes de glace. Ok. Donc, en termes de la liste des forts, il y aura du coup. Alors, il y a 3 coffres. Donc, j'imagine que du coup, réceptacle de cœur, habit de fée et la clé du boss. Donc, c'est bon. Et, oh, évidemment, du coup, on va devoir aller sur les 3 coffres qui sont là. Let's go. Il initia une partie de l'armée de Zelda vous a trahi, je sais. Ah, j'ai oublié de prendre la statue Bomba. Ah oui, il y a le chef des 13, j'imagine. Oh là là, putain. Ça, j'aime pas ça. C'est un des trucs que je déteste le plus, en fait. Avec le chef des 13. J'aime pas les chefs des 13. Et encore ça va, on fait pas mal de dégâts. Je pensais pas qu'on allait faire autant de dégâts. Après on l'a aussi mis à jour au niveau 80. Hein, et on va certainement la mettre à jour. On va certainement la mettre à jour au niveau 80. 90 peut-être. Parce qu'on va quand même la mettre. Voilà. On va quand même évidemment. Voilà, pour l'épisode 1100. Mettre à jour nos persos. Et certainement elle passera elle. À la casserole. Ok. Tac. Partant des bases du fort. Ok, c'est pas là l'aliment esqui. Alors du coup, je cherche aussi l'aliment esqui, hein, au passage. Ok, là, il y a le chef des traits. Donc là, il y a un coffre. Donc, c'est soit le réceptacle de cœur, soit l'habit de fée, soit l'aliment... soit la clé du boss, du coup. Soldat et traître. Je sais pas combien il y en a de chefs de traître ici. Ok.
Alors, la clé du boss ou je sais pas. Peut-être la bille de fée, je dirais, en premier. Voilà, la bille de fée. Ah non, le réceptacle de cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Tant mieux. Tac. Le truc, c'est que j'ai pas le choix de faire des KO. Hein. Et t'as danger. Et s'il commence à être en danger. C'est vrai que là, beaucoup de personnes commencent à être en danger là. J'arrive à prendre un maximum de force, je trouve le chef des traîtres. Je sais pas combien il y en a. Et je sais pas combien il y en a. Je sais pas si est-ce qu'il y en a 3, 4, 5. Allez, 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 apparaît. Si tu dois apparaître. Ça, il veut pas apparaître. Ah oh, putain. Ah évidemment, mais enrôler, comment tu veux l'enrôler? Il a perpète les oies. Il a perpète les amis. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. On va y aller, hein. Je vous le dis clairement, on va y aller, mais ça me fait chier. Après, vous allez me dire, on peut prendre les autres trucs à côté aussi. On va y aller, l'enrôler. Ne vous inquiétez pas, on va y aller. C'est bien parce que j'en ai besoin pour des KO, donc on va pas le battre l'invocateur, hein, je vous le dis. Ok, le chef des traîtres. J'espère que ce sera le dernier. Peut-être j'en demande trop, mais... C'est bon, c'est le dernier. C'est le dernier, ça me rassure un minimum quand même. J'ai vu l'environnement, ce que c'est. Parce que là, il y a des ennemis vraiment de partout. Hein. Alors on a pris la meilleure statue hibou, donc on va maintenant aller en bas. Parce que là, on va essayer d'enrôler parce que je vous avoue que là, ça commence à être compliqué. Il faut aussi prendre les deux forts. Hein. Pouah, ça va être chaud là. Ça, elle s'en sort. On va prendre ça. On va enrôler les ennemis, hein, je vous le dis clairement. Parce que vu le nombre d'ennemis colossal, non mais il y en a énormément. Oh là là, le fort est à danger. Allez, venez. Vous êtes à moi. Attention, oula, 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 oula. Attention, ne pas trop se faire baiser quand même. Il y a des difficultés, non mais t'as fou de ma gueule, toi. Et on est à 900 KO, je sais pas combien de minutes on est. On est à 4 minutes. Le problème, c'est que j'ai pas le choix de laisser le soldat d'avocateur. C'est ça le problème, c'est que je n'ai pas le choix. Ça va peut-être vous faire chier, mais j'ai pas le choix. Voilà. Mon ami de KO. Ok, on est à 1080. On est à la moitié de ce que j'aimerais être. À 2000, quoi. Je vous avoue, les 2000, ça va être un peu compliqué ici. Hein. Oh, il est en danger, mais c'est... Ok, le fort est en urgence. On va y aller. Hein. Là, je veux juste faire des KO. Allez, on va y aller. On a pris la statue hibou en bas, sachant qu'il faut prendre les deux forts pour avoir nos deux récompenses. Allez, on y va, on y va, on y va. Link, c'est pas grave s'il fuit. Allez, je peux éliminer le soldat d'avocateur. Là, attention, vraiment attention. Le soldat d'avocateur, ils sont décédés, voilà. Il est décédé. Ok, on est déjà bientôt à 1400. Alors, je garde 8 mages, méga jauge. Alors c'est con, je sais pas pourquoi je la garde aussi longtemps. Alors que je l'aurais déjà restauré avec ce qu'il me reste à faire, mais. Mais enfin. Allez, on va affronter Lana. Et après on se téléportera pour prendre les deux forts à côté pour avoir notre habit de fée.
D'ailleurs, je suis con, j'ai oublié d'aller voir si où est la limoiski. J'ai oublié de buter les jarres oranges. Ah ben là, on est dans la merde, hein. C'est pour la limoiski sinon. Sorcière blanche, Lana. Bon, tant pis. Pour le moment. J'espère juste que le mandala sera tranquille. Parce que je vous avoue que sinon ça va être un petit peu compliqué, hein. Allez. On va se taper en bas. Comme ça on prend les deux forts en bas et... Donc là normalement on va bientôt soit avoir l'habit de fée, soit avoir le réceptacle de cœur. Ouais, par contre on est à peine à 1400 KO, hein. Je veux pas dire mais c'est dramatique. Oh bah l'aliment est ce qui est là, parfait. On a ça au moins à faire. Donc là, est-ce que c'est la clé du boss ou l'habit de fée? Je sais pas. L'habit de fée peut-être. La clé du... Je sais plus. J'ai pas vu l'icône en haut à droite. En fait, je suis concentré. Vous avez obtenu un habit de fée. Vous avez de savoir duquel il s'agit. En haut à gauche, en haut à droite, en haut à droite. Ouais. Tac. T'as 12 minutes déjà. Ah, 12 minutes. On est à 7 minutes, pardon. 12, bien sûr. On est pas 12. Ouais, d'accord. C'est juste qu'on est à 12%, c'est tout. Ouais, j'ai une petite peur là, je me suis dit, oh putain, si on est à 12 là, c'est vraiment la merde. Tac. Bon, on a obtenu au moins un réceptacle de cœur avec elle, c'est bien. Bon, c'est pas encore assez, mais bon. Parce que là, on est loin d'avoir les deux barres de cœur, hein, je vous le dis. Deux barres de cœur full, on en est loin. Hein. Et voilà. Au moins 1600, ça serait bien. Et ça, c'est certainement la clé du boss. C'est certainement la clé du boss. Oui! Vous avez obtenu la grande clé, c'est bien l'heure du combat contre le boss. Allez. Maintenant, on va se rendre là-haut. Donc, on est à bientôt 8 minutes. Je sais, c'est peut-être stupide, mais au moins... Voilà. Parce que c'est... On en a besoin. Et notre cher Sia... On va garder notre jauge de magie, on va tout garder pour le boss, parce que si Mandala est compliqué à battre, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Sorcière noire, Sia. C'est parti. Attends, on la défonce bien. J'aimerais bien essayer de viser les 1600 KO si possible. Le problème, c'est que je sais pas si ce sera assez, hein, je vous le dis. Pour le rang A, c'est un peu problématique. Après, on peut essayer de... Le truc, c'est que ça veut pas spawner, donc... Que 5 minutes c'est possible pour un mandala comme ça. Voilà, on les blesse un petit peu. Sia, on est à 1700, au moins 1008. On va pas aller viser au 2000, mais au moins 1008. On va essayer 1008. Bon, au moins 1008. Allez, on est bientôt à 1008. C'est bon, on est en 1008. Je voulais être au moins 1008. On les a atteints. Maintenant il ne manque plus que Mandala. Ça dépend où elle apparaît. Oh, elle apparaît tout en bas, donc c'est parfait. On a notre statue. Bon, bah écoutez,
Eh ben, on aura géré, hein. Ça aurait été... Hop. On aurait eu peur à un moment, mais on aura géré. Mandala patataculaire vénéneux. Ça va, elle était pas compliquée. Mais chef des traîtres, c'est vraiment une horreur. Chef des traîtres, y a pas à dire, c'est une horreur. C'est parti. On va tout mettre dessus, hein, je vous le dis clairement. Parfait. La range en plus, elle est bonne. Donc, j'espère juste que ça va suffire. Tac, tac. Ok, coup fatal. Ça va, on la blesse bien. On la blesse très très bien d'ailleurs. Je pense qu'en deux fois, ça peut peut-être suffire. On l'aura peut-être pas en une fois, je vous le dis. On aura clairement pas une fois. Mais en deux fois, ça peut passer. En plus, on a notre jauge de magie. Hop, on va pas patienter, on va pas attendre. C'est pas une bonne idée d'attendre. Tac, merci. 3. Et voilà, on l'a eu. On l'a eu. Et nous avons notre victoire de rang A. Ah, parfait. Tant mieux. Et du coup, normalement, ça sera notre arme de niveau 2. Et elle est là. Vous avez obtenu une arme scellée. Vous avez besoin de s'agir d'une arme que vous ne possédez pas encore. Et ça, c'est très bien. Merci. Bon bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là du coup. Ah bah on aura bien avancé cette semaine, hein. Concrètement, on aura putain de bien avancé. C'est carte aventure. La carte de Cocoline. Après elle est assez petite, je vous avoue, c'est bizarre. Donc est-ce qu'on mettra plus ou moins de temps? On a mis environ une centaine d'épisodes, je crois que c'est 107 ou 108 ou 109, je sais plus exactement, pour la carte de Termina. Donc je sais pas, est-ce qu'on mettra 100 épisodes pour celle-là? Je n'en ai aucune idée, je peux pas vous dire. Obtenu cloche de l'onde, un étrange instrument porteur de l'éveil qui projette des sphères magiques quand on le secoue. Videz la jauge avec l'attaque spéciale pour déclencher une puissante attaque. Donc cloche de l'onde, voilà, 150 dégâts et 3 slots vides, c'est parfait. Ok, c'est nickel. 6500 rubis, 2600 rubis, 5000 rubis, 4200 rubis avec une brade d'Alana, une bracelet de Sia, une sport droxique de Mandala, une gantelette de Captain d'Hyrule, 4 colliers d'âmes, une écaille de Les Alphos et 2 habits de soldat avec un serre-tête toutou. On est en chomp, on est d'accord. Une graine mystère exquise, une champignon suspect et un lélon. Et on débloque la suite. Coque de l'écume. Du coup, dans l'épisode prochain, les amis, on va faire la chose de façon très stratégique, vous allez voir. Du coup, dans l'épisode prochain, tout simplement, on ira se rendre tout simplement sur cette case qui est là, dans laquelle on ira éliminer le cauchemar, tout simplement, sur cette case. Alors, pour vous parler un petit peu, parce qu'en fait, il n'y a que 3 instruments pour 3 trucs de cauchemar à éliminer. Attendez, on a 1, 2, 3. Le problème c'est que si on fait, et on en a une en haut à gauche que j'aimerais bien faire, donc ça veut dire que logiquement les cases en haut à gauche, parce que évidemment ça j'aimerais bien les faire. Donc ça veut dire que ouais, il faut qu'on fasse la chose de façon stratégique. On a du coup 3 choses, enfin 3 trucs de cauchemar, donc on fera tout simplement cette case, ça va nous éliminer notre chose, enfin notre truc de cauchemar tout simplement. Puis après on fera cette case là, grâce au truc de cauchemar, enfin le genre grâce à ça. Ah non, c'est vrai que d'abord on peut pas utiliser un instrument de sirène. Tant qu'on a... Eh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il faut attendre 3 tours pour l'utiliser. Donc, en fait, là, on ne peut pas l'utiliser, si je dis pas de conneries. Eh ouais. Bon, bah écoutez, bah, tant pis. Du coup, faudra attendre un tour. Donc, logiquement, on fera ça. Et comme ça, dans l'épisode prochain, on utilise notre instrument de sirène. Et on fera cette case-là. Ensuite, on fera cette case-là. Comme ça, on obtient notre instrument de sirène. Le temps que l'effet se décide, donc ça veut dire qu'on fera cette case là. Cette case là certainement. Cette case là peut-être certainement aussi, sachant qu'on peut y faire, on peut la faire 2 fois. Mais ouais, donc je sais pas comment on va se démerder. Ou cette case là, on verra. Ouais, parce que du coup, il faut être méthodique du coup. Je suis en train de penser. Eh oui, il faut être méthodique. Aïe. Vu que du coup, on peut pas utiliser 2 fois le même instrument. Enfin, 2 fois les instruments de sirène de suite. Écoutez, déjà, on est sûr que du coup, dans l'épisode prochain, on fera cette case-là, voilà.
Donc on fera le réceptacle de cœur avec Tingle. Comme ça, au moins, ça sera fait. Donc écoutez, bah, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 1089 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. On est au total à 14%. Voilà, donc il nous manque plus que 86%. On a concrètement... on se rapproche petit à petit du premier quart de cette carte aventure. C'est ouf de dire ça, mais c'est vrai, hein, on se rapproche petit à petit du premier quart de cette carte aventure. Et du coup, ben voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 1089. J'espère que cette semaine de fou vous aura plu. Je sais pas si est-ce qu'on repart sur un gros planning de la semaine prochaine, je peux pas vous dire, en fait ça dépend de mon humeur, ça dépend de la gérance de ce planning ou quoi que ce soit. Donc je peux pas réellement vous dire, sachant que ça dépend également du temps que je mets pour faire ce planning là, parce que j'ai pas non plus envie d'avoir trop de retard entre guillemets sur les vidéos. J'aimerais bien au moins me garder minimum encore 2 mois d'avance, au moins minimum. Alors là c'est même plus que 2 mois, là je suis à 4 mois d'avance si vous voulez savoir. Donc voilà, pour vous normalement, si je dis pas de conneries, c'est la deuxième période, enfin la deuxième partie du mois, donc d'avril. Pour moi, au cas où, c'est le réveillon de Noël. Oui, je vous le dis, hein. Si vous ne savez pas, pour moi, c'est le réveillon de Noël. Pour moi, la Nintendo Direct, elle n'est pas encore apparue en 2024. Hein. Pour le moment, voilà, dites-vous que... Peach, Showtime, Mario, Donkey Kong et tout ça sera sorti, mais pour moi, rien de tout ça. Hein. Bon, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y aura certainement l'enregistrement de ces vidéos-là, en tout cas, de Mario versus Donkey Kong et certainement Peach Showtime, qui seront déjà enregistrés pour être diffusés d'ici quelques mois pour vous. Mais voilà, c'est pour vous dire. Et du coup, d'ici là, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace!